Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play Tales of Vesperia. Précédemment, nous avons réussi à soigner l'arbre d'allure, et c'est ce qui a permis de réactiver la barrière autour de la ville, comme ça les monstres ne pourront plus l'attaquer. Donc tout est bien qui finit bien, sauf pour Carol peut-être, parce que en fait il voulait montrer l'arbre en fleurs comme ça, il voulait le montrer à quelqu'un, mais ses camarades l'ont laissé tomber apparemment. Et donc sur ce, le maire avait parlé d'une récompense, mais avant ça... Yeux rouges à l'arbre d'allure. Ok, ben voilà du coup Yuri qui révèle son âge. Je l'avais déjà dit, il a 21 ans, pour le moment du moins. Et donc, on y va, monsieur le maire. Oh, yokuzo maenaremashita. Sasa, goyukkuri to. Arigatou gozaimasu. Demo watashitachi, amari yukkuri mo dekinai no de. Mada kishisama mo modorarete inai no ni, machi o hanareru no desu ka? Chotto jijou ga kawatte ne. Nani ka oisogi no you to ka? Ma そんなとこだ 私でお力になれることなら何なりと そのお気持ちだけいただいておきます そうですか でしたらわずかばかりですが どうぞお受け取りください あれ? 何もやってないぜ しかしお連れさんにお世話になりましたので じゃあ、いえ、それは受け取れません。いや、しかし、それでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう。今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね。 とても楽しみです。わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。ああ、一ついいか。アスピオって町に聞き覚えない?アスピオ?ああ、日陰の町が確かそんな名だったような。日陰の町? 聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ?東の方角だったかと。 詳しい位置までは何とも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。待ってろよ、モルディオの野郎。OK, alors moi je veux pas dire mais la ville d'Aspio, elle est pas si loin que ça. Et donc le fait que les gens d'ici connaissent pas cette ville, ça me fait un peu bizarre quoi. Genre, ils se renseignent pas sur les alentours. Bon, pourquoi pas. Allez, essayons de sortir d'ici du coup. Ouais, alors ça par contre, tu vois, il y a un petit problème, c'est que pour voyager, il faut de l'argent. Et donc, bon, là, tu comprends pourquoi elle a refusé la récompense, mais sur le principe, on tiendra pas longtemps si on fait ça sans arrêt, quoi. こんなに自由なこと、今までになかったから。大げさだな。で、カロルはどうすんだ?港の町に出て、トルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあ、さようならか。 カロル、ありがとな。楽しかったぜ。お気をつけて。あ、いや。
もうちょっと一緒についていこうかな。なんで？やっぱ心細いでしょ、僕がいないとさ。ま、カロル先生意外と頼りになるもんな。ではみんなで行きましょう。で、東だっけ？ああ、フレンは。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど、とにかく奴らが来る前にここを出よう。Ok, du coup, qui est ce Flynn? Pourquoi pas? Donc, comme je le disais, la ville d'Aspio, elle est juste au nord d'ici. Et non pas à l'est. Je vois pas trop pourquoi ils ont dit ça. Ah, si, remarque, l'est, c'est par là. Le nord, c'est plutôt par là. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, c'est plutôt vers l'est. Même si moi, ça me donnait plutôt l'impression qu'on allait vers le nord. Enfin, bref. La ville d'Aspio se trouve par là. Même si j'aimerais beaucoup chercher nos amis, les nomades, attendez, la caravane là. La caravane qu'on avait déjà vue. Ok, on pourrait peut-être la trouver plus tard. Parce que ce serait bien de remettre, voilà, les PM de tout le monde au taquet. Avant de continuer notre voyage. Ça, on l'a déjà analysé, c'est tout bon. Ok, plus que deux. Plus qu'un, et c'est fini. Allez. Voilà, pour les niveaux, c'est pas mal, mais là, c'est vraiment les PM qui vont poser problème. フレンはユーリのお友達ですよ。ま、そんなところだ。友人同士で一人の女性を見かけによらず、エステルってドロドロな人生を送ってるね。なんです？そのドロドロな人生って。あ、いや、いいんだよ、これじゃ聞かないから。完全に勘違いしてやがんな。Ouais, effectivement. Donc en fait, la traduction, c'était pas exactement ça. Mais disons que Carole, il trouve qu'Estelle est assez... enfin, voilà, pour Carole, c'est Estelle, elle s'intéresse à deux garçons en même temps. Et du coup, il trouve qu'elle est un petit peu... Elle a, voilà, elle a pas froid aux yeux dans le sens où, voilà, elle est avec deux mecs en même temps, quoi. Il y avait une allusion un petit peu olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'Yuridi qui est complètement à côté de la plaque. Ok, j'aimerais bien rentrer, moi. Mais ce ne sera pas sans se faire, c'est Piaf, je pense. D'un côté, pourquoi pas, hein, il faut toujours qu'on travaille sur les compétences, mais j'ai plus de PM, moi. Donc ça va pas aller. J'aurais pu rester à l'auberge d'Allure, ça c'est vrai aussi. Mince. Ok, il risque d'y en avoir beaucoup. Faudrait que je m'en débarrasse rapidement. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Allez, c'est tout bon. Voilà, j'ai passé le combat parce qu'il y en avait un peu beaucoup. Et comme ça, on peut rentrer. Donc, je disais, j'aurais préféré trouver nos amis, la caravane. Mais on verra peut-être plus tard. おまけに肌寒いところだね。町が洞窟の中にあるせいですね。太陽を見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。Ouais, bonne question. En tout cas, voilà, c'est juste à côté d'Allure. C'est caché dans une caverne, mais bon, ça paraît bizarre qu'ils connaissent pas, quoi, surtout le maire. Enfin. Essayons de rentrer et de chercher notre voleur de Blastia. Bah, c'est la princesse. Sonna no motteru no?
中に知り合いがいいんだけど通してもらえない？正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはずだ。その知り合いとやらからな。いや何も聞いてないんだけど、入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと？OK, c'est quoi cette réaction? やはり痛めだ。書簡にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。チッ、ゆず聞かないんだから。あの、フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。些細なことでも教えられません。フレンが来た目的も？もちろんです。ということはフレンはここに来たんですね。知らん。フレンなんて騎士は。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか？やめとけ。こいつらに何言っても時間の無駄だって。冷静に行こうぜ。でも中にはフレンが。諦めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。俺はモルディオのやつからブラスティア取り返してついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。OK. Si tu le dis, mais tu feras ça tout seul alors. Escalader, je vois pas comment. OK, du coup, on va aller voir ce qui se passe de ce côté, mais d'abord, il est temps de faire la connaissance de quelqu'un de très bizarre, mais qui va nous aider. OK, enfin, quelqu'un m'a trouvé, j'attends depuis longtemps. Je suis le chef miracle, je parcours le monde à la recherche de bons produits et de gourmets. Je porte souvent un déguisement, mais un vrai gourmet devrait pouvoir me reconnaître, c'est une sorte de test. Ok, donc là son déguisement c'était espèce de légumes, et on dirait que vous faites partie de ces gourmets. Vous avez du potentiel. Par conséquent, je vais vous récompenser en vous offrant une recette. Donc voilà, c'est comme ça qu'on récupère les recettes de cuisine dans ce jeu, enfin tout du moins, c'est l'une des méthodes. Je vais vous donner ceci pour vous permettre de vous entraîner. Ça, c'est très sympa. Pour l'amour de la gastronomie, bon appétit. Ok, le monde contient des tas d'objets étranges servant de déguisement au chef miracle. Si vous le trouvez, il vous donnera une recette. Cherchez-le au cours de vos voyages. Donc ça, voilà, c'est la première méthode. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a une recette, il faudra également la cuisiner avec certains personnages pour trouver des améliorations. Du coup, c'est pour ça que je fais le sandwich avec Estelle, mais pour l'instant, ça n'a pas encore porté ses fruits. Et le steak Salisbury, honnêtement, je ne me rappelle plus du tout avec qui il faut le cuisiner. Mais je... Bon, on verra ça plus tard. On va le faire avec Yuri. Et continuer à travailler sur le sandwich pour le moment. Ok, voyons cette porte. フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしてもモルディは出てこないだろう。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうです？あいつこの手の規則にはとことんうるさいからな。頼んでも無駄だって。カロル何をしてるんです？よし、開いてよ。え、ダメです。そんな泥棒みたいなこと。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。え、まあ僕ぐらいだよ、こんなことまでやれるのは。ご苦労さん。じゃ行くか。本当にダメですって。フレンを待ちましょう。フレンが出てくる偶然に期待できるほど俺我慢強くないんだよ。
大体こういう時に法とか規則に縛られんのが嫌で俺騎士団辞めたんだし。でも。んじゃ、エステルはここで見張りよろしくな。でも、あの、私も行きます。OK. Ouais, voilà, sérieusement. Il a raison. Si tu veux attendre, tu attendras toute seule. Nanka Mordio mitai no wa ippai iru na. Ano, skoshi ojikan yoroshii desu? O? Nan da yo? Furen Shifo toyu kishi ga tazunete kimasen deshita ka? Furen? Aa, are ka.遺跡嵐を捕まえるとか言ってた。今どこに？さあ、研究に忙しくてそれどころじゃないからね。そうですか。ごめんなさい。じゃあ失礼するよ。ちょ待った。もう一つ教えてくれ。ここにモルディオって天才魔導士がいるよな。な、あの変人に逆？さすが有名人、知ってんだ。ああ、いや、何も知らない。俺はあんなのとは関係ない。まだ話は全然終わってないって。もう、なんだよ。どこにいんの？奥の小屋に一人で住んでるから、勝手に行けばいいだろ。サンキュー。大丈夫なの？ん？名前出しただけでみんな嫌がるなんておかしいよ。Ouais, ça c'est vrai que c'est chelou. 気になりますね。そりゃブラスティア泥棒だしな。嫌われてんのも当然だろ。OK. En même temps, s'il vole des Blastia, il va peut-être pas le dire à tout le monde non plus. 態度をそこ。どれを取っても有利って騎士っぽくないよね。なんだよ急に。だって泥棒みたいに裏口から町に入っちゃうしさ。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないんだけど。私フレンを追ってきただけなのにいつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何も取ってねえっての。ouais carrément. Et puis si t'es pas contente, t'avais qu'à rester à la porte. Bref.Notre chef est très chaleureux et sait se montrer gentil avec les sous-fifres comme nous. D'accord, c'est vraiment un chef de guilde exemplaire. Je leur parle parce que ils ont pas de... Enfin, ils sont pas d'ici, quoi. Ils ont pas les mêmes vêtements et tout. Ok, la porte des ruines se spécialise dans les fouilles de ruines. Cela peut sembler humble, mais nous sommes fiers de notre travail. Ok, bah écoutez. Bonne continuation. Voyons voir. Oh oui, il y a une auberge ici. Il y a une auberge...Le salon bibliothèque. Donc ça pourrait m'intéresser parce que je suis bas en PM. Mais voilà, ça c'est encore mieux. Le marché de la fortune vous apporte toujours patati patata. Autrement dit, on va pouvoir recharger en objets. Ou alors vendre des trucs parce que je n'ai plus d'argent. Voyons voir, les fioles sacrées, elles m'intéressent pas. Et les fioles de nectar, encore moins. Donc j'ai qu'à les vendre. À noter que...Il faut surtout vendre l'équipement qui ne sert plus. Et quand je dis équipement, je fais référence aux armures et aux casques. Mais surtout pas les armes. Dans ce jeu, il faut vraiment pas vendre les armes, c'est pas recommandé du tout. Tout simplement parce qu'elles vont généralement servir pour la synthèse. Donc la synthèse, j'en avais parlé, ça va être une belle histoire d'amour. Parce que nous allons avoir énormément d'armes à synthétiser.Et on aura la plupart du temps, comme pour ce maillet géant ici, on aura la plupart du temps besoin de nos anciennes armes. Donc le maillet géant de Carole, qui lui sert à prendre critique, il va me servir plus tard pour forger le maillet géant plus 1, pour apprendre de nouvelles compétences. Autrement dit, si vous vendez l'arme, ben vous êtes coincé. Donc voilà, vendez toujours vos armures et vos casques, mais pas vos armes. Du coup...Le maillet géant, je vais avoir besoin du maillet géant normal pour faire le plus 1. Le maillet géant m'apporte critique. Et vous constatez que le maillet géant plus 1 m'apporte également critique. Donc je peux le sacrifier, il n'y a pas de souci. Puis
puisque j'aurai la même compétence quoi qu'il arrive. Ok, Eureka. La rapière, ça c'est pour Yuri et Estelle. On va la faire. Et ensuite, la masse d'armes, c'est également pour Estelle. Elle se sert de la baguette pour ça. Donc la baguette, c'est bon, j'ai appris garde magique. Puis de toute façon, j'aurais pu l'avoir également avec la masse d'armes. Donc aucun scrupule, on peut la faire immédiatement. Toujours vérifier vraiment que vous avez appris les compétences sur les armes qui vont servir d'ingrédients. Karakazé, lanceur d'objets, c'est ok. Donc on peut passer à Karakazé plus 1 pour qu'il puisse avoir pro des objets. Et comme ça, je dirais qu'on s'en sort pas trop mal. Ok, vérifions les accessoires et puis surtout les objets importants avec le trésor à la fin. Parce qu'on va avoir des choses plutôt pas mal à se faire ici, par la suite. Mais pour l'instant, voyons voir, j'étais sur la hachette. Récupération esquive, c'est bien, mais d'un côté, j'ai plutôt envie de commencer par la rapière, en fait. Pour qu'Estelle puisse l'avoir dès qu'elle aura fini avec son arme. Ah, j'ai pas acheté d'armure. C'était que la moitié du travail de fait. Ok, demi-plastron pour Estelle. Ah, mais j'ai plus d'argent. Ah, on n'a jamais assez d'argent dans ce jeu. Ok, donc on va faire Yuri en priorité. On va équiper la cote de fer. On va vendre la cote de maille. Mince. On va vendre la cote de maille et on va ensuite pouvoir acheter le demi-plastron pour Estelle. J'ai qu'à lui mettre. Voilà, je vais vendre ce qu'elle a viré. Le plastron de maille, ce qui me fait 400. Ce qui n'est pas suffisant pour acheter autre chose pour le moment. Même pas un casque, diadème en fer, elle l'a déjà. Ok, ok. Bon, pour l'instant, je peux pas faire plus. Il me reste 400, on pourrait en profiter pour dormir. Mais on va pas le faire, on le fera peut-être plus tard. Ok, du coup, je disais rapière. Rapière. Karakazé plus 1, c'est bon. Masse d'armes, pour qu'elle puisse la maîtriser. Et dès qu'elle aura fini, je pense que Yuri aura fini avec la rapière. Donc ce sera bien comme ça. Ok, je pense qu'on est bon. Je n'oublie rien. Allez, poursuivons. Point de sauvegarde ici. Madame, qu'est-ce que vous faites? Les ruines. Il faut aller examiner les ruines. Oh, je me suis endormi là. Ok. D'accord, tout ça, ça nous mène à l'extérieur. Et donc sur ce, Mordio est censé vivre dans une cabane un petit peu à l'extérieur de la ville. Il s'agit de celle-ci. C'est vraiment isolé. ここか。普通はノックが先ですよ。いないみたいだね。どうする？悪党の末乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。これ以上罪を重ねないでください。なら僕の出番だね。え？出番って？それもダメですって。 Ah, Estelle, tu deviens pénible là. Allez, c'est parti. その気になりゃ存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。ユーリ、先に言うことがありますよ。こんにちは、お邪魔してますよ。カロルが勝手に開けました。ごめんなさい。もうユーリは、ごめんください。どなたかいらっしゃいませんか？いないんなら、こう都合、証拠を探すとするか。 Ok, cherchons des preuves donc. D'état de livre, ouais, c'est le cas de le dire. この町、なんか本がたくさんあるね。俺あんま本とか読むの得意じゃねえから、夜うなされそうだよ。ユリってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ?
るわ。さっきからずっとそこで本読んでるぞ。エステル、そろそろ行くよ。読み出したら止まらないらしいな。何です？これ古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。OK, je pense que cette scénette, elle correspond plutôt à la grande bibliothèque de tout à l'heure, parce que là, il n'y a aucune raison pour qu'on s'arrête de lire. Cela dit, la pile de livres ici, c'est ce qui va nous intéresser. だけやれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。はあ？逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの？そりゃデートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何？私が泥棒ってこと？あんた常識って言葉知ってる？ま、人並みには。勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句剣突きつけるのが人並みの常識？ちょっと犬入れないでよ。そこのガキンチョもその子返しなさい。え、ブラスティアよ、ブラスティア返しなさい。な、何よあんた。私エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほらユーリとカロルも。ごめんなさい。で、あんたら何？ですね、このユーリという人はテートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それでコア泥棒の特徴ってのが、マント、小柄、名前はモルディオだったんだよ。確かに私はモルディオよ、リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ？だからそんなの知ら…ああ、その手があるか。ついてきて。はあ？お前意味わかんねえって。まだ話が。いいから来て。シャイコス遺跡に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか？だな、あいつ振られたんだ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか？さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない？わかった、行ってやるよ。シャイコス遺跡は町を出てさらに東よ。Ok, donc avec tout ça, Rita rejoint l'équipe. Du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un perso jouable.
Donc, on va regarder ça et ça devient un petit peu compliqué parce que nous sommes maintenant sur la piste de voleurs, mais avec des ruines. Ok, alors attendez, Ripid, tu vas 30 secondes laisser ta place à Rita qu'on pourra voir pendant les combats. Et donc voilà, Rita Mordio, chercheuse de génie. Ouais, pour l'instant, c'est son titre et son costume. Donc, que dire sur Rita ? Rita, elle a 15 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est le genre petit génie, quoi. Petit génie surdoué. Cela dit, c'est surtout une tsundere, en fait. On va dire ça comme ça. Et puis, bien comme il faut, en plus. Hein. Bien comme il faut. Mais pour le moment, disons qu'on vient de l'accuser de vol et tout, donc forcément... On va pas être les meilleurs copains du monde, c'est évident. Mis à part ça, elle fait partie un petit peu de tous ces personnages dans la série des Tales of qui font avancer l'histoire, je dirais. Avancer l'histoire et qui permettent de la faire avancer. Un petit peu comme Pascal de Tales of Graces, ou alors Harold de Tales of Destiny 2, ou encore Killa de Tales of Eternia. Vous voyez, les personnages très scientifiques, très chercheurs, ce genre de génie, voilà, qui trouve des solutions quand il faut réfléchir un peu. C'est un petit peu comme ça que je la vois. Même si Rita, par contre, le problème avec elle, c'est qu'elle a un peu trop tendance à croire qu'elle sait tout sur tout. Et donc, on sait jamais, ce voyage lui permettra peut-être d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Tout simplement. D'apporter une nouvelle dimension à sa réflexion. Ok, Rita. Rita, t'es un peu peur, non ? C'est ça ? Mais, c'est pas ça, non ? なんか機嫌悪いみたいだし。それはユーリがブサホをしたからですよ。コアドロボーに礼を尽くす気はねえからな。違ってたらどうするの?その時は謝るよ。その言葉忘れないでよ。聞いてたんだ。聞こえただけよ。私が怖いとか?気をつけろよ、カロル。ありゃ根に持つタイプだ。いや、嫌だな。脅かさないでよ。 Ok, forcément, on l'accuse de vol et tout, quoi, donc au bout d'un moment, il faut pas s'étonner. Oh, regardez ça, c'est une maquette de Blastia, c'est toi qui l'as faite? Mais c'est quoi toutes ces questions? Eh, enlève tes sales pattes de là! Ce truc est vraiment bien fait. C'est la maquette d'un grand Blastia, mais elle ne fonctionne pas. Évidemment, puisque c'est une maquette. Un grand Blastia? On appelle grand Blastia les plus imposants d'entre eux, notamment, mais pas seulement les barrières. Ok, voyons voir s'il n'y a pas d'autre chose à voir ici dans sa maison. Tu dois mener des études assidues? Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un étudie que ses actions sont justes ou nobles. Ça, c'est vrai. Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, je m'en moque. Et la couverture de celui-là est sur le point de se détacher. Ok, ça c'est fait. Vire tes sales pattes de là. C'est une formule de Blastia. Quelle écriture de cochon. Tant que tu peux la déchiffrer, c'est tout ce qui compte. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, on dit que les gens qui écrivent mal sont pleins de bonté. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Non, rien. C'est une formule qui utilise le feu, c'est ça? Apparemment, tu sais de quoi tu parles. Ok, c'est peut-être la formule de l'un de ses sorts, du coup. Qui sait, qui sait. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage, parce qu'on a encore des choses à voir chez elle, avant de s'en aller. À commencer par ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le compendium. C'est un livre à mise à jour automatique qui permet d'inscrire tous les objets trouvés. Un livre à mise à jour automatique? Il va falloir que je regarde ça de plus près. Oui, pas de problème. C'est extrêmement utile, emportons-le. Du coup, avec tout ça, on récupère le compendium. C'est pas automatique, donc c'est un petit peu bizarre comme histoire, mais... C'est quelque chose qui nous permet de référencer tous les objets qu'on trouve. Et regarde ça, la plupart de ces pages sont blanches. Et moi qui pensais avoir affaire à une chercheuse de réputation mondiale... Ok, il est pas gentil, là. Il est pas très gentil, mais voilà, du coup, on a récupéré le compendium... Et donc, on en est à 6% des objets trouvés. Croyez-moi, il y a du boulot. Mais ça nous permet de savoir où est-ce qu'on trouve les objets. Donc c'est plutôt pas mal si on cherche quelque chose de précis, notamment les matériaux. Parce que ça nous montre un petit peu les monstres sur lesquels on va pouvoir les trouver. Même si pour l'instant, il est loin d'être complet. Anta, Estelise d'akke.
はい、長くて呼びにくいと思うのでエステルって呼んでください。エステリーゼって見たとこ貴族のお嬢様よね。よくあんな素行の悪いのと一緒にいるわね。あ、いえ、ユーリはいい人だと思いますよ。それと私のことはエステルって呼んでもらって構いませんよ。わかったわ、エステリーゼ。ありゃ強敵だな。Ouais, en même temps, tu la comprends encore une fois. Ouais, du coup, je crois qu'on a encore un dernier truc à voir dans le coin. C'est pas ici. C'est ici. Ok, il faut être sacrément tordu pour mentir de manière aussi convaincante au sujet de ses méfaits. Et attendez. Le dressing d'une femme est strictement privé. Même s'il abrite des preuves de ses méfaits. Laisse-moi regarder. Ok, elle a parlé de dressing, on dirait plutôt une sorte de bureau. Ok, ne t'en fais pas, je ne dirai rien. Qu'est-ce qu'elle a trouvé à ton avis? Des secrets féminins. Et tu vas me payer ça. Estelle, fais attention à toi. Non, c'est de toi que je parle, de toi. Ok, oh, c'est vrai que c'est Estelle qui a regardé, mais là, pour le coup, tu comprends pourquoi elle est vénère. Hein. Cela dit, on ne sait pas ce qu'il y avait là-dedans. On peut s'imaginer tout et n'importe quoi, des secrets féminins, comme a dit Yuri. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux ne pas chercher à en savoir davantage. Ok, donc, on est censé rejoindre des ruines. C'est ce que nous allons faire. Alors, messieurs, si je passe par ici... Ce site est sous l'autorité directe de l'Empire. Si vous n'avez rien à faire ici, circulez. Montrez-moi votre passeport. Non. On passe là, ils nous disent rien. Ça les surprend même pas qu'on soit revenu par ce côté. Écoutez, on va pas chercher plus loin. Pour l'instant, on va se rendre à notre destination. À savoir, les espèces de ruines qui sont là-bas au fond. Mais ce ne sera pas sans un nouveau combat. Ah là, c'est vrai qu'il y en a plein. Bon, du coup, Rita, montre-nous de quoi tu es capable. C'est une magicienne, une mage noire, contrairement à Estelle, qui est plutôt une magicienne, une mage blanche. Donc forcément, elle fait de la magie d'attaque. Ok, j'essaye de voir un petit peu ce qu'elle fait, mais il faut surtout que je la protège. Ok, des sorts de feu, des sorts de terre... C'est plutôt pas mal. J'ai analysé tout le monde ici au moins. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah mince. Ok, pas mal. Vite, 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 dépêchons-nous. Avant qu'il attaque Rita. Ok. Ok, donc Rita, comme je disais, voilà, magicienne d'attaque, mage noire. Même si le truc, c'est qu'avec ses techniques, en fait, notamment boule de feu, plus on va les utiliser et plus ces techniques vont évoluer, ce qui est le cas de tous les personnages d'ailleurs. C'est pour ça que dans ce jeu, il faut vraiment utiliser nos techniques favorites parce qu'elles deviendront plus puissantes et elles pourraient bénéficier d'effets supplémentaires. Et pour la magie, c'est tout à fait... c'est très intéressant. Surtout pour la première technique de Rita, la boule de feu. Parce que là, vous avez pu constater qu'il n'y avait qu'une seule boule de feu. Mais dès que le compte aura atteint un certain nombre, il y en aura plusieurs. Donc ça peut devenir un sort très très intéressant. Ok, je parle, mais eux aussi, ils ont envie de parler. まあそう言わずにピンチの時には受け取れって言ってるぞ。何よ、くせに。っていうか本当にそう言ってんの？ガウってしか言ってないじゃない。長くいりゃ分かるようになるさ。そうだろラピード。ちょっと羨ましそうですピター。そんなこと。Peut-être bien. Allez, du coup on va finir par se reposer. C'est ce que je veux faire depuis le début, moi. Bienvenue au roi de l'aventure. Oh, c'est vous, je suis ravi de vous revoir. Ouais, ça faisait un moment. Je remercie le hasard qui nous permet de nous retrouver.
Je pensais bien qu'on se reverrait. Oh, grand frère, toujours aussi abrupt. Qui sont ces gens? Ce sont Karen et Rick. Ils voyagent et tiennent une auberge itinérante. À noter que Rita n'est pas avec nous. Donc on aurait peut-être pu faire ça avant. Bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir se reposer ici également. Ravi de vous rencontrer, moi aussi. Il semble que vous soyez plus nombreux que l'autre fois, c'est magnifique. Peut-être avez-vous envie de prendre un peu de repos? Exactement. Ouais, on est crevés. Ok, du coup, Carole qui s'entraîne. Cette épée a l'air d'être assez ancienne. Et la lame est très émoussée. Ce n'est plus qu'une antiquité incapable de venir à bout d'un homme ou d'un animal. Vous tenez beaucoup à cette arme? Elle a appartenu à quelqu'un que je respecte. Je ne tiens pas à m'en séparer. Eric, j'ai l'impression que ça ne vous plaît pas beaucoup de tenir une auberge itinérante, je me trompe? Tu devrais pas te montrer aussi curieux, Carole. Ce n'est rien. Je suis un guerrier, pas un aubergiste. J'ai quitté mon village avec Karen pour tuer des monstres gigantaux. J'avais 15 ans à l'époque. Vous aviez 15 ans? Quel âge avez-vous maintenant? J'ai 28 ans. 13 ans, hein? C'est plutôt long. Monstres gigantaux? C'est le nom d'un type de monstre géant qu'on trouve dans le monde entier. J'ai entendu dire qu'un corps expéditionnaire impérial envoyé pour les exterminer avait été éliminé. Tant que l'un de ces monstres vivra, je ne pourrai pas regagner mon village. Pourquoi? J'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout. Peut-être qu'on peut vous aider? Cette histoire a l'air de vous peser. C'est que, vous voyez... Je ne connais pas les détails, mais vous vous êtes engagé à le faire, n'est-ce pas? Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est à lui que revient cette tâche, Carole. Ouais. Cela dit, c'est peut-être un petit peu trop difficile à lui tout seul. Ok, du coup, les gigantos, c'est quelque chose qui doit vous parler si vous connaissez les opus suivants dans la série. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est justement ce Tales of Vesperia qui les a introduits. Ces gros monstres qu'on peut voir sur la carte du monde. Voilà, comme dans Zestiria, Berseria. Et puis... Exilia aussi. Et je pense vraiment que c'est à partir de celui-ci qu'on les a eus. On aurait peut-être dû les aider. On peut pas s'occuper de tous les problèmes de ce monde. Mais si nous tombons sur les monstres dont il parlait, nous pourrions les éliminer pour lui. Je ne vois pas qui cela pourrait gêner. Ouais, d'accord. Ok, autrement dit, c'était très très important. Est-ce qu'on peut sortir par là? C'était très très important de voir cette scène maintenant, parce que c'est pour une série de... Enfin, c'est pour une quête annexe, en fait. Et donc, il est très important de la voir avant d'éliminer le premier des monstres gigantaux qu'on va trouver, qu'on trouvera plus tard dans l'aventure. Hein. Et c'était très important de voir cette scène avant. Parce que sinon, on rate la quête annexe, tout simplement. Allez, comme ça, je suis soigné. Ce qui veut dire que nous sommes prêts pour attaquer les ruines de Shaikos la prochaine fois. Et je ne peux pas passer. Bon, c'est pas grave, du coup, on va se laisser ici. Et la prochaine fois, il sera temps d'explorer ces ruines et de voir ce que Rita voulait nous montrer. Allez, moi, en attendant, je vous dis bye et salut à tous.